afin d'identifier des modèles d'entreprises innovants, des entreprises rurales dans 11 pays européens ont été étudiées dans le cadre du projet de l'Union européenne Rubismo. Leur mission ? Déterminer et transmettre les clés de leur succès afin d'inspirer d'autres. Leur étude montre que la croissance rurale est étroitement liée à l'esprit entrepreneurial créatif, à l'emplacement géographique et au réseau disponible. Cependant, de nombreuses idées d'entreprise ne survivent pas lorsqu'elles sont confrontées à la réalité. Même avec un nouveau produit ou service très précieux, les déficits dans le modèle d'entreprise choisi peuvent entraver la réussite de l'entreprise. Rubismo utilise un business plan pour montrer les éléments de réussite. Cette structure visuelle aide à collecter, à comprendre et à mieux transmettre les ingrédients qui transforment une idée en entreprise pérenne, durable et évolutive. Le business plan dévoile les forces, les faiblesses et les potentiels d'une entreprise déjà existante ou en phase de développement. Il peut également être utilisé pour émettre des idées complètement nouvelles afin d'aider les entrepreneurs à penser à tous les détails importants pour le succès de leur entreprise. Une clé importante pour un modèle d'entreprise réussi est de comprendre parfaitement qui sont les clients, quels sont leurs besoins et comment les satisfaire. Il est important de comprendre la valeur de votre offre du point de vue du client. Vous pourrez alors améliorer votre produit ou service et être compétitif par rapport aux solutions déjà existantes. De nouvelles options de livraison favorisent un contact direct avec le client. Les nouvelles technologies simplifient le contact entre les producteurs et les clients, tant au niveau régional qu'international. Le service à la clientèle devient de plus en plus important avant, pendant et après la vente. La relation avec le client peut être tout aussi importante que votre produit ou service. La valeur de votre produit ou service pour lequel les clients sont prêts à payer générera une source de revenus. Cependant, toutes les activités impliquent également des coûts. Tout d'abord, toutes les activités clés qui sont nécessaires pour développer, produire et livrer votre marchandise doivent être identifiées. Il s'agit de les tester et de les ajuster afin de s'assurer que toutes les étapes nécessaires pour démarrer l'entreprise et pour qu'elle soit économiquement viable sont en place. Pour se réaliser, ces activités clés ont besoin de matières premières précises. Par exemple, quelles connaissances et quels matériaux sont nécessaires ? Chaque entreprise a besoin de ressources différentes, de personnel, de ressources financières, de ressources naturelles ou d'équipements techniques. Sécuriser l'accès aux matières premières est décisif pour le succès d'une entreprise. Il en va de même pour les partenaires clés essentiels à l'entreprise. Il est primordial de déterminer comment votre entreprise s'entrecroise et interagit avec d'autres entreprises. Un réseau fort peut inclure des partenaires qui font ressources humaines, la recherche et le développement ou la création de capital. Cependant, certaines entreprises n'ont besoin de rien d'autre que du fort esprit entrepreneurial d'une seule personne. Ces activités, ressources et partenaires entraînent bien sûr des coûts. Les revenus doivent être supérieurs aux coûts pour garantir la pérennité de l'entreprise. Il est possible d'obtenir une vue d'ensemble des coûts globaux, des revenus et d'un éventuel bénéfice uniquement lorsque tous les facteurs concordent. Les études Rubismo montrent que la viabilité des modèles d'entreprise ne se joue pas qu'au niveau économique, mais aussi souvent au niveau environnemental, en générant de la valeur ajoutée à l'environnement et à la société. Rubismo a analysé de nombreuses entreprises rurales présentées dans les différents secteurs d'activité, comme l'industrie alimentaire et l'agriculture, les chaînes de valeur écologique et les prestations de services bio. Les résultats peuvent inspirer de nouvelles idées, mais chaque réussite nécessite une touche personnelle. Thank you.